se retrouve ce matin, on est le 4 décembre il me semble. Et du coup là il est 7h50, Orphée est en train de prendre son petit déjeuner devant Dany avec Thésée qui maintenant se lève également à cette heure-ci, de toute façon je n'y peux plus rien. Hein. Donc voilà, moi là je vais manger une petite tranche de brioche avant d'emmener Orphée à l'école parce qu'aujourd'hui exceptionnellement je me sens un peu patraque, donc je pense qu'il faut que je mange un petit truc avant de marcher jusque là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire, j'enfilais un truc vite fait, je pense que je prendrai ma douche ce matin au lieu de ce soir parce que j'ai du mal à me réveiller, ça fera du bien. Et là je vais aller faire ma poudre à lave-vaisselle pour lancer mon lave-vaisselle, comme ça ce sera fait. Voilà. Voilà, donc moi je stocke ça dans un gros pot comme ça. Je mets 75 g de gros sel, 100 g d'acide citrique et 200 g de cristaux de soude. Voilà, parce que normalement la recette est doublée, mais moi je la divise par deux pour que ça rentre bien dans le pot. Voilà. Bon, finalement j'ai doublé les dosages, la poudre est prête, j'ai lancé de la vaisselle et je vais manger une petite tranche un peu grillée là, de brioche, mettant devant l'ordinateur en attendant que dans 10 minutes on parte à l'école. Voilà. Je vous reprends dans la salle de bain, j'allais prendre ma douche là, et du coup je vais essayer mon nouveau shampoing solide. Là j'ai acheté celui-ci de la marque NAE, Natural Antica Herboristeria, et il a une formule vegan. Je l'ai trouvé chez Leclerc, je peux te dire, formule vegan et bio, ils sont super bons. J'ai pris spécial cheveux secs parce qu'en règle générale j'ai les cheveux vachement abîmés avec les décolos et tout. Du coup je vais essayer ça. Et par la même occasion, vu que je me rase les jambes et tout, je vais essayer ça aussi. Je me suis pris un rasoir comme ça dans le rayon homme. Il était à 12 € et quelques, 12,95 € je crois, avec 5 lames. Je me suis dit que pour le zéro déchet c'était mieux, parce que bah, là j'ai plus que des petits rasoirs en plastique qui partent tous à la poubelle, puisqu'ils sont morts. Et voilà, du coup je me suis dit que j'avais pris ça, c'était cool. Doudou lui s'est pris un rasoir comme ça, genre type un coupe-chou quoi. Et voilà, du coup, je vais tester ça et je vais sûrement augmenter mes écarteurs aussi, passer de 26 à 28. Et après, bah, il ne me restera plus que le palier de 30, quoi, que je compte garder un bon moment. Peut-être que j'irai à 40, mais pour l'instant, je me dis que 30, c'est pas mal. Sachant que je trouve qu'avec les cheveux courts, on voit que ça. Voilà. Bref, je vais prendre ma douche, puis bah, je vous reprends après pour le tartinage, réparation. Enfin bref, excusez-moi, j'ai envie de regarder Mulan. Non, pour le calendrier de l'Avent et tout ça, et puis je me maquillerai sûrement après. Je vous montre juste ce que ça donne sans les écarteurs. Voilà. Du coup, on va passer les écarteurs plus gros. J'incite personne à le faire tout seul si vous n'avez pas le faire, les augmenter et tout. Demandez à votre perceur ou quoi s'il le fait. Et surtout, il faut y aller doucement. Il faut pas les agrandir trop rapidement. Genre moi plus jeune j'avais tendance à me dire ouais ça fait une semaine je change, là j'avais attendu un bon mois. Et voilà, du coup en fait je plie mon écarteur tout simplement et après je le lâche dedans. Putain, ça commence à être collé à mon... Vous voyez le lobe, il commence à... Du coup ça fait ressortir mon oreille, ça fait trop rire. Putain, ça commence à être gros. Pas grave, j'aime bien. Je suis même pas sûre que Doudou il remarque que j'ai agrandi. Puis là honnêtement normalement ça me chauffe et ça tire, et là pas du tout, donc je pense que mon lobe était carrément bien cicatrisé. On fait pareil de l'autre côté. Je le fais après la douche parce que les pores de la peau ils sont beaucoup plus ouverts, plus détendus, c'est plus simple. Mais écoutez, ça passe crème, je suis contente. Et oui, j'ai la peau super rouge parce que je vous ai déjà dit, en fait, l'eau elle est très calcaire et ma peau réagit énormément. Voilà, voilà. C'est parti pour le 4. Yay! Bon, du coup, je vous reprends post-douche et on va ouvrir le calendrier de l'avant. J'ai déjà mis mon eau à bouillir comme ça, vous ne ferez pas avoir à faire des allers-retours. Du coup, j'ai eu un Raffaello, un petit mot. Ah! Regarde un film de Noël. Trop bien! J'avais trop envie de regarder un aujourd'hui en plus. J'ai une excuse du coup. Alors, on va prendre le numéro 4.
here. Ah. Oh. Il y en a beaucoup trop dans la case. Alors. Ok. Oh. Je vais le goûter, mais je pense celui-là, sincèrement, c'est Doudou qui va le boire et pas moi. C'est un thé à la lavande. Oui, je sais, j'ai l'impression de me plaindre tous les jours, mais je vous ai dit, je voulais goûter quand même. Et sauf que la lavande, moi, ça me fout des mal de crâne, pas possible. Bah, ouais. Après, ils disent quand même qu'il y a de la pomme, de l'églantier, de l'ananas, du sucre, un petit peu de lavande, de la citronnelle et de la fleur de mauve. Alors, je me plains, mais moi, j'aime pas quand la lavande est trop forte. Donc, ça se trouve, ça va être une lavande plutôt légère, on sait pas. Donc, je vais infuser ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu mute? Mais alors? Mi? Hmm? Non? Mais alors? Tu viens de dire bonjour? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Bon, j'ai même laissé infuser un peu plus longtemps. Attendez. C'est quand même plus joli comme ça. Ça fume de ouf, ça sent fort la lavande. Et par contre, l'eau est très peu colorée. Je pense que c'est un thé qui est vraiment très léger. Enfin, c'est une infusion même, parce que c'est que il n'y a pas de thé en fait. C'est que du fruit et des plantes quoi. Enfin, le thé c'est une plante, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est trop brûlant en fait. Bon les gars, en fin de compte, on va attendre que ça refroidisse un peu. Bon, ce coup-ci, on va goûter. Pour le coup, je crois que c'est celui que j'aime le moins depuis le début. Vraiment. Pour vous dire, je pense que je vais même pas le boire. Je vais mettre un couvercle et je le donnerai à Doudou, je pense. Non, j'aime pas du tout. Ah, en fait, faut savoir que la lavande, moi j'avais un spray pour contre les poux à la lavande que je mettais genre même à l'internat, sur mes coussins et tout, pour éviter ça. Genre, la lavande, ça me fout des migraines. Je déteste, j'aime pas du tout cette odeur. Et là, ça me rappelle ça. J'ai l'impression de bouffer le shampoing, quoi. Ah. Bref, je vais prendre mon petit déj préféré, des tranches de pain avec de la margarine. Bon, bah là, elle a fondu sur du pain en plus aux graines. Finir le montage du vlog Mass 4. Et après, je vais aller m'habiller. Et il est 9h30. Donc, dans une demi-heure, je vais chercher Doudou. Qui est où ? Et j'ai commencé à mettre à cuire la printanière de légumes, vu qu'elle était congelée à feu doux avec de l'eau et du bouillon. Et à faire bouillir l'eau pour faire cuire les pâtes. Et il n'y aura plus qu'à faire revenir les boulettes. Voilà, tout est prêt en temps et en heure. Je suis contente. Heureux, je vous reprends. Il est midi et quart. Les enfants sont en train de manger. Du coup, je leur ai fait des pâtes avec des boulettes et une printanière de légumes. Doudou a mangé la même chose ce midi. Moi, j'ai pas très faim. Du coup, je vais manger, je pense, une ou deux tartines comme ça de cracotte. J'ai sorti, j'ai les fromages que j'ai fait. Donc, ail, fines herbes et noix et poivre. Et pourquoi pas un petit peu de rillettes avec un petit peu de cornichons. Et voilà. Juste un petit lunch rapide parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd et tout. Donc, tout simplement. Du coup, je vais manger ça en regardant Phénomène Raven sur Disney+, parce que j'aime beaucoup cette série. Je vais regarder un petit épisode tranquillement. Puis après, je vais me remettre... J'arrive les garçons. Et après, je vais me remettre sur le montage et voir ce que je fais aujourd'hui ou pas. Il faudrait que je me maquille également. Donc voilà. C'est à peu près tout pour le programme. On cherche le 4, mon cœur. Tu veux dire coucou? Vas-y. Coucou. Coucou, ouais. Et alors, il est où le 4? Là. Ici. Oui. Ouvre. À gauche 9. À quoi, à gauche 9? Vas-y, tu l'enlèves. À gauche 9. À quoi c'est à gauche 9? Non. C'est à quoi? Attends. C'est? Non. Vas-y. Waouh, tu montres? Tiens. Attends. T'as pas montré le dessin? Montre. Bon, c'est un Kinder. Retour à Orphée?
Je vous reprends, il est 14h, pardon. J'ai un gros coup de barre. Vraiment, je suis hyper claquée d'un coup et j'ai pas trop le moral là. Eh ben, elles sont propres tes mains, mon cœur. C'est bien. Il était lavé ses mains, il adore laver ses mains. Du coup, je sais pas trop quoi faire, je me sens vraiment patraque. Mon lave-vaisselle est fait et tout, il me reste que le linge à faire et un petit peu de vaisselle comme tous les jours. Vraiment, c'est le truc que je fais chaque jour, donc voilà. Et bah, du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais rester un petit peu devant Disney+, puis je vais essayer de trouver une activité ou un truc à vous montrer quand même, parce que sinon, c'est pas ouf, quoi. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est 16h45 je crois, un truc comme ça. On est rentré de l'école avec Orphée. Thésée dort dans le canapé, Orphée m'a demandé de regarder les mignons. Donc on va mettre les mignons. Je vais lui donner son goûter, il a déjà mangé un petit ourselu. Et là j'étais montée juste pour me mettre en pyjama parce que j'ai froid, je suis pas très bien. Donc si je vais mettre un pyjama. Et du coup j'ai fait du bujo et tout un peu cet après-midi. Et là je vais essayer de me motiver un petit peu après à cuisiner. Je pense que c'est ce qui est de mieux à faire. Et voilà, je suis désolée, le vlog du jour est pas ouf. Du coup, je vais essayer de trouver un petit truc, un petit truc sympa à rajouter dans le vlog et à faire un petit peu, genre une petite activité, un machin, et je vous dis ça tout à l'heure. Et je suis désolée pour l'invasion de Snap qu'il vient d'avoir. J'ai pas compris pourquoi. Bon, je vais faire ma mamie là, je suis en pyjama. C'est l'heure du goûter, il fait noir et tout, c'est déprimant du coup. Je vais me faire chauffer du lait d'amande Alpro qui est mon préféré et je vais faire ça avec une capsule de café noisette. Et voilà, ça va me faire un genre de latte, ça va être trop bon. Yum. Du coup, je vais utiliser celui-ci d'un marque repère que j'ai trouvé là aux dernières courses. On va mettre une petite capsule. J'ai déjà mis mon lait chaud avec un sucre roux et c'est parti. Je vous reprends, il est 19h30. Les garçons sont en train de manger tranquillement. Moi, je regarde toujours RuPaul. Et j'ai préparé les ingrédients. J'ai mis à tremper des noix de cajou pour faire un fromage style raclette, vegan. Et vu qu'on a des panini comme ça, avec Doudou, on pourrait se faire des panini pommes de terre et fromage. Je sais qu'il adore ça. Et vu qu'il était pas très bien ce matin, qu'il était fatigué, il avait mal à son dos, il avait mal dormi, je me suis dit que ça pourrait le réconforter. Donc voilà, je pense faire ça et je vous montrerai bien évidemment. Et voilà. Mais là, je suis désolée, je vous ai pas montré grand chose, mais voilà, aujourd'hui, c'était pas une journée de ouf, hein. Et je suis désolée, les vlogmas, c'est aussi ça, en fait, bah, vu que vous êtes dans ma vie réelle, et des fois, la vie de maman, c'est juste des allers-retours à l'école, faire le ménage et faire à manger, donc des fois, il n'y a pas de truc extraordinaire, je peux pas me raser la tête tous les jours, vous voyez. Je reçois pas de colis tous les jours non plus, donc je peux pas vous montrer 3 milliards de trucs, j'espère que ça vous ennuie pas trop. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Ouais, sinon, je peux parler vite fait là de films de Noël. Si vous avez vos films de Noël préférés à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à les aimer, même à vous abonner. Ça me fait mes plaisirs de ouf. J'ai vu, on est à 282 abonnés, il me semble. Si on pouvait atteindre les 300 à la fin des Vlogmas, ce serait génial, non? Vous trouvez pas? C'est un chiffre rond, c'est bien pour commencer l'année, je trouve. Je dis ça, je dis rien. Mais en vrai, mettez-moi vos films de Noël préférés en commentaire. Et comme ça, j'irai check et j'irai voir si je les ai déjà vus ou pas. Et ça me donnera des idées de films à regarder. Sachez que moi, perso, les films que je préfère regarder en décembre, il y a bien évidemment Edouard aux mains d'argent, que j'aime de tout mon cœur. Je l'ai en DVD, vraiment, c'est un film que j'adore de Tim Burton. C'est mon Tim Burton préféré en film. Mon film d'animation de Tim Burton préféré, c'est Les Noces Funèbres. Je place ça comme ça au passage. Et aussi, on adore avec Doudou, ça c'est son film de Noël préféré, c'est le Grinch avec Jim Carrey, bien évidemment. Donc ça, je pense qu'on va bientôt le regarder dans la chambre aussi. Et après, il y a plein de petits films de Noël, spécifiquement sur Noël, que j'aime bien. J'avais bien aimé La Princesse à Chicago, La Princesse de Chicago, je crois, avec Vanessa Hudgens, celle qui fait Gabriella Montez dans... Je crois que c'est ça le nom, putain, j'ai un trou. Ouais, c'est ça, dans High School Musical. Un film de Noël spécifique, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Putain, c'est chaud de tête comme ça. Pourtant, j'en connais plein, mais de tête, c'est... Ah, c'est perturbant. En plus, je sais qu'il y en a toute une liste que j'aime trop regarder et tout.
Même j'aime bien les dessins animés Noël. Il était une fois Noël de Disney avec Mickey et tout. Ils sont trop bien. J'ai regardé quand j'étais petite. J'avais bien celui où il y avait tous les personnages de Disney qui se réunissaient un peu comme dans un cinéma et on voyait plein de petits courts-métrages de Noël. Ça, il était vachement cool. J'ai le coffret DVD en fait de ces DVD-là de Noël. Je vous les remontrerai, je vous en reparlerai de toute façon dans les prochains Vlogmas. Voilà. Petit aparté film de Noël fini. Écoutez, je vous laisse là, puis je vous reprends au fur et à mesure quand même. Hein. En plus, Doudou, il rentre plus tard parce que non, il fait une heure supplémentaire ce soir. Donc du coup, ben voilà. Je vous le dis au cas où. Recoucou. Je vous reprends, il est 22h45, je suis avec Doudou. Je vais aller me coucher, mais j'avais envie d'une petite gourmandise, donc je vais manger une pâte de fruits. Et je vais goûter les nouvelles là que Doudou il avait acheté. Honnêtement, vu qu'il y a framboise et cassis et que c'est mes deux goûts préférés, je pense que je vais goûter framboise, qui est mon fruit vraiment préféré de la mort qui tue. Doudou, je pense qu'ils vont manger une aussi peut-être. Oui. Et du coup, j'ai pas préparé la raclette vegan, ni panini, ni rien en fait, parce que vu que Doudou il est rentré un peu plus tard et tout, je préfère préparer le fromage au dernier moment. Et comme je vous ai dit, je suis fatiguée, j'ai la migraine. Du coup, j'allais pas lui faire une raclette pour qu'il mange tout seul dans son coin. C'est un truc qu'on aime bien faire pour le partager quand même, la raclette. Donc du coup il a mangé ce qui restait de ce midi tranquillou et on sera à la raclette demain soir je pense. Et voilà, bref, je vais goûter les pâtes de fruits, je vous dirai ce qu'il en est, je vais vous les montrer, elles sont trop mignonnes.